Gaëtan Duval QC Cup, 1365 mètres à rating 0,30. Le numéro 1 Constellation de l'écurie Patrick Mervin monté par Marc Nijus. Le 2 Brazo, écurie Raj Ramdin avec Rakesh Bogirotti. Sera suivi du numéro 3 Beautiful Bhutan de l'écurie Gujdar avec Noël Callow. Le 4 qui va s'amener Captain's Chronicle de l'écurie Ricky Mingard, Rai Jouawan. Le 5 Obligation de l'écurie Gilbert Roussette, Derek David. Le 6 Data Controller, écurie Pedro Vina et Naiko. Le 7 City Treasurer de l'écurie Jean-Michel Henri Girish Goumani. Le 8 In the Frame de l'écurie Vincent Lett avec Daryl Holland. Le 9 Montante, écurie Shirish Narang Swapnil Rama. Et le 10 Torero de l'écurie Gujedar. Torero, la toque jaune pour Vikram Sola, qui renoue avec la compétition au Champ de Mars. 1365 mètres à parcourir. Et c'est parti pour cette première épreuve avant départ pour Captain's Chronicle côté corps. Torero, Data Controller à l'extérieur, qui tente de partir également. Mais pour l'instant, c'est Captain's Chronicle qui a l'avantage, avec à son extérieur Torero. Ensuite, on retrouve Data Controller, Constellation est quatrième et côté corde. Ensuite, on retrouve Montante, Brazo, Beautiful Bhutan, City Treasurer, et puis Obligation à son extérieur, In the Frame, alors qu'on est en la ligne opposée, avec et toujours Captain's Chronicle qui a le meilleur devant Torero, qui va s'asseoir en deuxième position. En troisième position, court toujours Data Controller, Constellation est toujours quatrième. Ensuite, Montante, Beautiful Bhutan, Brazo, City Treasurer, Obligation, In the Frame. On va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées, toujours sous la pulsion de Captain's Chronicle, avec une longueur d'avance devant Torero, Data Controller et troisième Constellation. Montante commence à bouger, tout comme Beautiful Bhutan. Brazo se rapproche le long du rail, alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Captain's Chronicle, qui va tenter de repartir maintenant avec Data Controller, qui va s'amener à son extérieur. Torero, Constellation également, qui sort à beaucoup de rein en milieu de piste. Captain's Chronicle, Data Controller, Constellation, Captain's Chronicle va s'imposer devant Data Controller, Constellation.
Eh bien, mesdames et messieurs, bon après-midi à vous. La première course qui sourit à Captain's Chronicle, qui ouvre son compteur dans la Sir Gaëtan Duval QC Cup. Première ligne, une nouvelle fois, Benoît, qui vaut son pesant d'or, qui facilite sa tâche aujourd'hui. Je vais y arriver, il y a des jours comme ça. Ben, figurez-vous que ses premières courses étaient très décevantes. Il nous avait beaucoup déçus. Mais la dernière fois qu'il a couru, il fait une excellente course où il sort second. Et cette course-là fait beaucoup de bien. Enfin, on pensait qu'il fallait battre le vieux Constellation, qui a quand même sorti troisième. Enfin, c'est une première victoire qui est bonne à savourer parce que, bon, au moins, il y a un autre cheval qui a gagné que ce n'est pas toujours les mêmes qui gagnent. Donc, je suis très content aussi pour les propriétaires. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la carte, Benoît, une carte intéressante pour l'écurie Ikimaga. Vous voulez vraiment que je revienne vous voir? Vous êtes sûr? Ben, nous avons eu beaucoup de chance avec le tirage des lignes. On avait 4 paratons, on a tiré 3 premières lignes et une deuxième ligne. Maintenant, c'est le reste qui reste à faire maintenant. Je pense que Edith Class, c'est notre meilleure chance après celle-là. Mais let's hope for the best. Alors, sinon, Ricky Magar en Afrique du Sud, pour le Ready to Run, le sales, on nous apprend qu'il y a des bonnes nouvelles puisqu'il y a 16 chevaux qui ont été achetés par des Mauriciens. C'est une très bonne nouvelle, Benoît. Oui, j'ai eu Ricky au téléphone ce matin qui m'avait justement confirmé qu'il y avait 16 chevaux d'acheter. Il a lui acheté 4 chevaux. Ce qui fait que, bon, ils avaient demandé à ce qu'on ait 20 chevaux. Je pense que maintenant, avec 16, on pourra continuer à avoir les chevaux sud-africains le plus vite possible. Pour le bien des courses. Et là, c'est une bonne nouvelle en tous les cas. Merci Benoît et bravo. Vous avez toujours la main heureuse. Hein. À tout à l'heure, peut-être. Alors voilà, les impressions de Benoît Noël, suppléant entraîneur et assistant entraîneur du côté d'écurie Ricky Magar. Et la première de Captain's Chronicle qui ouvre Rajiv enfin son compteur. La deuxième épreuve, la Quantum Insurance Online and Direct Cup 1000 mètres, rating 0,25 avec le 5 Social Network, écurie Randy Afertob, Roland Boutanive. Voici le numéro 1, Dontel Mama, de l'écurie Jean-Michel Henry, monté par Michel Tiha. Le 2, It's My Party, écurie Rameshwar Gajda, Jeannot Bardotier. Le 3, Smitten, de l'écurie Gilbert Rousset, Derek David. Le 4, Secret Traveler, de l'écurie Jean-Michel Henry avec Gerich Goumani. Le 6, Van de Skele, écurie Gajdar Praveshoril. Le 7, Destiny's Tale, écurie Vincent Led Daryl Holland. Et le 8, King Fahim, de l'écurie Rajramdin, monté par Krish Gandhauri. Voilà, c'est parti pour cette deuxième épreuve. Tous très bien partis avec côté corde. Eh bien, pour l'instant, Van der Skele à l'avantage. À l'extérieur, Dontel Mama qui a surmonté son couloir extérieur. Dans leur sillage, il y a Destiny's Tale, Social Network. Smitten reste bien au contact. Ensuite, King Fahim, Secret Traveler, It's My Party. On va accrocher déjà la rue du gouvernement avec finalement Dontel Mama qui a pris les choses en main avec Destiny's Tale sur son arrière-main. Van der Skele reste dans sa foulée. Social Network en épaisseur. Ensuite, il y a Smitten, It's My Party. Secret Traveler, King Fahim, alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Dontel Mama qui va tourner en tête. On tente de revenir à l'extérieur avec coursier d'écurie Gajadar, à savoir Van der Skele. Smitten tente de gicler côté corde, mais Dontel Mama est le plus fort, il va s'imposer.
Eh bien oui, magnifique Dante Dalmama qui enregistre sa troisième victoire consécutive, Jean-Michel, et ce sous couleur. On dit souvent que les filles, hein, les femelles, elles sont compliquées, elles sont caractérielles, elles sont toujours difficiles à entraîner, mais vous réussissez vraiment un coup de grâce avec cette jument aujourd'hui. Oui, écoutez, moi j'ai jamais eu de problème avec elle, jamais remarqué aucun problème de femelle ou quoi que ce soit. Au contraire, elle est vraiment un plaisir à entraîner. Un grand merci à tout son groupe de propriétaires, ils sont fort sympathiques. Et il la garde beaucoup aussi. Hein, et aussi, ben, super monte de Nichal. La course était gagnée au départ. Il fallait juste le mettre en confiance qu'il pouvait le faire et le tour était joué. Merci aussi à Gilbert et Soulège qui avaient le favori dans la course et qui, quand même, sportivement, m'ont quand même prêté Nichal. Alors, il faut aussi saluer cela. Alors c'est vrai que ce huitième couloir, 61 kilos sur le dos, Jean-Michel, pouvait faire tiquer. Mais la manière qu'elle est sortie, elle le fait de fort belle manière. Oui, Jean-Philippe, près 165, si on se rappelle, c'était peut-être un petit peu trop long pour lui. Mais non, elle a prouvé qu'elle pouvait le faire. Mais le 1000 mètres, c'est vraiment sa distance. C'était, avec tout le respect que j'ai pour les autres, ce n'était pas un lot très relevé. Il n'y avait que sa ligne à se monter. Et elle l'a fait de brillante manière. Alors, Jean-Michel, ça fait quelques journées que les choses tournent en votre manière. Vos chevaux sont très, très bien en cette fin de saison. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la fin du meeting? Bah, écoutez, on a pas mal de petites chances. Je dis petites chances parce qu'on a des mauvaises lignes avec nos chevaux. À part Wallace Flirting, c'est le seul qui a eu une bonne ligne aujourd'hui. Alors, je m'attends à ce qu'il fasse une bonne course, mais dans un champ compliqué. Et j'espère que les autres seront soit à l'arrivée ou soit dans les placés. Eh bien, croisez les doigts et en espérant, pourquoi pas, vous retrouver un peu plus tard. Merci. Merci, bravo Jean-Michel. Donc, bravo à tout l'entourage de cette magnifique jument. Troisième victoire consécutive. Chapeau. La troisième course, la Quantum Motor Insurance Cup, 1400 mètres. Course de benchmark 36 avec Ted Bassett, le 4. Sera monté par Ride Your Own, Monarch's Emblem, le 7. De l'écurie Rameshwar Gajdar avec Jeannot Bardotier. Le numéro 1, Evergreen, de l'écurie Gajdar, Noël Callo. Le 2, Hancock's Dynasty, de l'écurie Perdreau, monté par Vina et Naiko. Le 3, Call of Courage, de l'écurie Gilbert Roussette, monté par Derek David. Le 4 est déjà en piste. Le 5, Tiger Island, de l'écurie Gajdar avec Rakesh Bogirotti. Le 6, Red Lotus, de l'écurie Shirish Narang, Vikram Sola. Le 8, Amber Palace, de l'écurie Patrick Mervin, Swapnil Rama. Départ de cette troisième épreuve, tous très bien partis. Hein. Pour l'instant, Red Lotus très sollicité. Tiger Island également, qui montre du pas et qui veut lancer cette épreuve. Mais Red Lotus assiste côté corde, mais sur l'extérieur, il y a Tiger Island. Ensuite, on retrouve Hancock Dynasty. De leur sillage, il y a eh bien, Ted Bassett, ensuite Evergreen, Color of Courage, Monarch's Emblem, Amber Palace en dernière position. On est dans la ligne opposée à 900 mètres du poteau. Red Lotus tranquillement en tête de cette épreuve devant Tiger Island à son extérieur. Ensuite, on retrouve Hancock Dynasty idéalement placé. Evergreen est quatrième. Ensuite, Ted Bassett, Call of Courage, Monarch's Emblem, Amber Palace. On est à 600 mètres du poteau. On se dirige vers la rue du gouvernement avec et toujours Red Lotus qui a l'avantage. Tiger Island est toujours deuxième à l'extérieur de Hancock Dynasty. Call of Courage qui commence quelque peu à bouger. Ensuite, on retrouve Ted Bassett, Amber Palace et Monarch's Emblem alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Red Lotus qui va tourner en tête. Hancock Dynasty va gicler côté corde avec Evergreen, Call of Courage qui vont tenter de s'amener. Mais Hancock Dynasty a toujours l'avantage. Amber Palace qui termine fort également. Hancock Dynasty, Amber Palace, Amber Palace devant Hancock Dynasty.
Eh bien, la surprise du chef, elle est venue avec Humble Palace dans cette troisième épreuve. Le cheval qui démarre en trombe à 500 mètres et qui tourne avec vraiment l'envie de gagner aujourd'hui, Patrick. Oui, il faut le dire. C'est un cheval qui nous a tellement déçus auparavant. C'est un cheval qui est arrivé il y a 2 ans de ça, quand il est arrivé, avec beaucoup d'espoir. On pensait que c'était un cheval très, très valable, et ainsi de suite. Il avait beaucoup déçu. Et je peux vous dire qu'on a tout essayé avec lui. On a mis les œillets, on n'a pas mis les œillets, on a attaché la langue, on n'a pas attaché la langue. On a fait tout ce qu'il fallait, on a tout essayé. Et là, cette semaine-ci, je me suis dit, bon, c'est la fin, et il a beaucoup couru. Je lui ai dit, cette semaine-ci, on ne va pas le travailler du tout. Et on l'a trotté une seule fois, je crois que c'est un seul jour qu'on l'a trotté. Et j'ai dit pourquoi pas, allons essayer, on va voir, on risque rien. De toutes les façons, mais aujourd'hui, enfin, comme la dernière fois, il était magnifique dans le rond. Mais ça a peut-être fait quelque chose, c'est ça. Parce qu'il travaille à l'entraînement, c'est le meilleur du lot. Quand on a un bon cheval qu'on veut voir, si vraiment il est pas mal, on met un palace avec. S'il peut tenir avec un palace, ça veut dire qu'il est bon. Alors, et là, je me suis dit, peut-être qu'il fait trop à l'entraînement et qu'après... Mais voilà, mais je suis très content parce que c'est... des choses comme ça. Et après, même pour l'écurie, là, c'est bien quand même, on a une bonne victoire. Et avant la course, je disais à Rama, une plaisanterie avec Rama, je disais à Rama, là, j'ai mis tout mon argent dessus. Alors lui-même, il m'a dit, là où tu viens, je sors moi. Comme quoi... Il m'a payé au goût, là. Alors, Patrick, Gida, vous l'avez fait travailler ou pas? Gida, il travaille. Lui, il travaille, il est bien, il est très bien. Bon, il a 61,5 kg. Oui. C'est un lot quand même avec les Elite Class, Torotino, qui a gagné ses deux dernières courses. Un Parado qui m'a semblé très, très bien à l'entraînement. Mais Gida est très bien, hein, on le voit, il est très, très bien. Et il aura son mot à dire. Et puis, également, Denis Brasco, aujourd'hui, c'est vrai que ça... Il faut aller chercher un cheval comme Tondradi, qui est en classe, un meilleur cheval. Mais avec un certain moment, vous n'avez certainement pas la fleur au fusil, comme on dit. Non, pas du tout. Et encore, je peux vous dire une chose. Quand j'ai vu Humble Palace, j'ai dit c'est exactement comme ça que Denis Brasco doit courir. À Rama, j'ai dit, Denis Brasco, il faut que tu montes pareil comme Humble Palace. Comme ça, et venir de... Et avec la différence de poids, il faut respecter, bien sûr. Et l'autre cheval de Gadiada aussi, là, Rim. Mais avec la différence de poids, on peut peut-être faire la différence. Et Patrick, en tous les cas, bravo pour cette victoire avec Humble Palace. On croise les doigts et on se retrouve peut-être un peu plus tard. Bravo. Donc voilà, Humble Palace qui s'impose dans cette troisième épreuve. La surprise du chef, Rajiv. Le numéro 1, Guida de l'écurie Patrick Mervin, monté par Marc Neijus. Le 2, Wonder Kid de l'écurie Rameshwar Gajadhar Sunil Bassant. Le 3, Torotino de l'écurie Rameshwar Gajadhar également, Geno Bardotier. Le 4, Elite Class de l'écurie Ricky Manga Rai Jurawan. Le 5, Headstrong Harry de l'écurie Gajadhar avec Noël Kello. Parado le 6 qui est passé chez l'écurie Gilbert Roussette, Derek David. Parado. Le 7 Al Capitano, écurie Jean-Michel Henry avec Girish Koumani. Et le 8 des Fabulux, écurie Gilbert Roussette, Nichal Tir. De cette quatrième épreuve dotée de la Quantum Travel Insurance Cup, 1500 mètres à parcourir. Et c'est parti pour cette quatrième épreuve à bon départ pour Heliclass côté corde avec Strong Harry également bien parti à l'extérieur. On est sollicité avec Al Capitano de Fabulux. Mais pour l'instant, Heliclass garde la corde avec Al Capitano à son extérieur. De Fabulux pour l'instant pris en épaisseur. Dans leur sillage, il y a Headstrong Harry, Gida qui court à l'extérieur de Parado, ensuite Torontino, Wonder Kid en dernière position. On passe au tombeau malartique, Elite Class garde la corde, solide meneur de cette épreuve, avec deux longues à l'avance sur Headstrong Harry, à son extérieur Al Capitano, de Fabulux pour l'instant pris en épaisseur.
Ensuite, on retrouve Gida, Parado, Torrentino et toujours Wonder Kid. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir avec Elite Class qui a toujours le meilleur devant Headstrong Harry Al Capitano et toujours à l'extérieur du coursier de l'écurie Gadjadar. Deux Fabulux toujours en épaisseur de Gida et de Parado. Torrentino commence quelque peu sa descente. Wonder Kid toujours en dernière position. Alors qu'on est à 400 mètres du poteau, Elite Class a toujours le meilleur. Devant Headstrong, Ariel Capitano, on est lancé avec Torrentino. Gida également qui tente d'arriver alors qu'on aborde la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Elite Class qui va tourner en tête. Avec Parado qui va gicler côté corde. À l'extérieur, on va tenter d'arriver avec Gida, avec Torrentino. Mais Parado, Elite Class pour l'instant pour la victoire. Parado, Elite Class a toujours le meilleur. Mais Parado termine de plus en plus fort. Parado, Elite Class, Elite Class devant Parado. Pour de nombreux turfistes aujourd'hui, c'était la certitude sur papier. Eh bien, il n'a pas déçu, il est exact au rendez-vous. Mais avant de rendre hommage à Elite Class, on va surtout rendre hommage à ce jockey à mes côtés, Raju Rawan. 300e victoire au Champ de Mars. Il est le jockey ayant le plus grand nombre de victoires ici, on le sait, depuis un bout de temps. Mais 300, ça fait quand même un signe significatif. Rai, tout d'abord, félicitations. Il vient avec un très bon cheval, Elite Class. Ça, c'est tellement fait vous plaisir aujourd'hui. Bon, oui, ça fait un grand plaisir. Et bon, si je ne me suis pas trompé, des centièmes chez Bolting 4, la 300e avec Elite Class, je suis bien content. Et aussi, mon vieux ressortir. Ça m'a envie de dire sa 300e victoire pour tous mes fans. Bon, ma chance, nous allons recevoir un champion, mais nous amène ce qui nous besoin. Alors Rai, justement, est-ce qu'il y en a certainement un très très bon cheval qui est monté tout au long de vos carrières. Est-ce qu'il y en a un chevaux qui sortit de l'ordinaire quand on fait tellement de chiffres, un cheval comme ça qui retourne à l'esprit certainement. Ça c'est cher parce que nous remercie parce que nous avons beaucoup de chance pour nous ban meilleur cheval ici à l'île Maurice et comme des Alida sont oubliés. Et aussi, j'ai gagné mon premier classique avec Londondale et les autres propriétaires qui sont à côté de moi. Là. Et ça fait un grand plaisir encore. Nous faire 300e victoire avec le bon cheval qui est Michel Mingor. Donc, Elite Class, on le sent vraiment jamais. C'est le cheval qui fait ici qui est bizarre, comme nous avons l'impression. Il y a un cheval qui est très malin et il connaît qui est bien faire, quand il est bien faire ça. Nous pas besoin. Bon, moi, je suis là juste pour guider un petit peu et il fait tout ce qui est besoin. Je n'ai pas besoin de demander à aller plus vite la descente, je n'ai pas besoin de demander à aller moins vite. Il est bien intelligent. Un cheval qui est bien intelligent, qui dans l'entraînement, qui dans les courses. Alors, Rai, 300e, nous attendons encore 2-3 bonnes années, nous venons pour 400. J'espère, oui. en tous les cas, félicitations. Encore une petite chance, certainement, dans la journée avec Rebels Game. Qui vous pensez? Bon, Rebels Game, il bien travaille, mardi, et aussi Zedi. Et un peu de la chance, comme on peut dire, nous gagnons le meilleur la ligne. Et j'espère.
Allez, on croise les doigts, Ryan. En tous les cas, bravo. Toutes mes félicitations pour cette 300e victoire. Alors, Benoît, vous avez toujours la main heureuse. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, Ricky est en voyage, ça fait deux ou trois. Mais malheureusement, il va revenir, ça c'est sûr, ou plutôt heureusement. Non, effectivement, je crois que Elite Class, Ricky l'a regardé dans une forme absolument superbe, parce que c'est pas un cheval facile. Et je dédie cette victoire surtout à Kiki, à Ricky et à la belle monte de Rai. Alors 300e, c'est vrai que ça marque. Et puis Rai, vous avez eu une association assez particulière, il a remporté quelques belles courses pour vous. Oui, il a remporté une coupe d'or une fois avec Ritz Cup. Pour moi, donc j'étais un des copropriétaires. Je connais Rai depuis très longtemps. Il a passé par des moments très difficiles ces derniers temps. Le public n'avait plus, une partie du public en tout cas, n'avait plus très confiance en lui. Il n'a pas baissé la tête et avec le soutien de Ricky, indéfectible, il a réussi à remonter la pente. Et voilà, aujourd'hui, il strike son 300e victoire avec un très très bon cheval, ça va être Elite Class, et qui est très bien bien amené par Ricky Mingard. Alors justement, vous avez eu l'habitude d'être associé à des très bons chevaux en tant que propriétaire. Elite Class, c'est vrai qu'il dégage quelque chose. Quand il arrive dans le paddock, il se fait remarquer. C'est le cheval qui ne fait jamais trop, il fait juste ce qu'il faut pour être là où il faut. C'est le signe des bons chevaux. J'ai eu la chance d'avoir quelques très bons chevaux, dont le meilleur était Tub Thumpa. Quand il rentrait dans le paddock, il s'arrêtait, il regardait, il savait exactement ce qu'il fallait faire, quand il fallait le faire, en course. Et comme Ray a dit là tout à l'heure, ben, Elite Class a les mêmes signes des bons chevaux et on espère qu'il va nous amener encore quelques belles victoires. Enfin, du moins dans la manière qu'il fait, on sent qu'il a encore une belle marge. En tous les cas, bravo, déjà deux aujourd'hui, ça fait plaisir. La suppléance est assurée. Oui, ça nous fait plaisir. J'ai une pensée spéciale pour Ricky qui n'est pas là et je le salue bien. Et il doit être très content là où de voir en live sur la télévision ces courses-là. Et puis, ben, on est content et on espère peut-être pourquoi pas une troisième tout à l'heure. Eh bien, on croise les doigts pour vous, Didier. En tous les cas, bravo, belle victoire de Elite Class qui est exact au rendez-vous. Ricky Mingard qui prépare déjà certainement Rajiv cette saison 2016. La cinquième course avec le numéro 1, Captain McFarlane. De l'écurie Rameshwar Gajadhar, Jeannot Bardottier. Le 3 Always Floating de l'écurie Jean-Michel Henry, Michel Tihard. Le 4 Lucky Valentine, écurie Shailesh Shramdin, Rakesh Bhagirathi. Le 5 Flash Drive de l'écurie Shirish Narang, monté par Sudil Bassant. Le 6, How Many to One, écurie Perdro, Vinay Naiko. Le 7, Cash Lord, écurie Gajidar, Aijurawan. Et le 8, Artful Prince, de l'écurie Rajramdin, monté par Swapnil Rama. On attend le 2, Nothing Compares. Départ dans quelques instants, course de 1400 mètres. Et ils sont partis, bon départ pour Lucky Valentine. En deuxième position à l'intérieur, eh bien, il y a Always Flirting. À l'extérieur, Flash Drive. Lucky Valentine garde la corde. Flash Drive à son extérieur va essayer de mettre la pression pour passer en tête de la course. Voilà qui est fait. Flash Drive en tête de l'épreuve devant Lucky Valentine. En troisième position, Always Flirting. À son extérieur, Captain McPie. Artful Prince se suit en cinquième position. Puis nous avons Nothing Compares, Cash Lord. Et en dernière position, Harmony to One. Les chevaux ont déjà commencé à entamer la descente. En tête de la course, Flash Drive avec deux bonnes longueurs d'avance devant Lucky Valentine. Captain McPie s'amène en deuxième position à l'extérieur. Cependant, quatrième position, bien calé à la corde, se trouve Always Flirting. Puis nous avons Artful Prince. Nothing Compares améliore petit à petit sa position. Cash Lord en avant-dernière position et en dernière position toujours. Harmony to One, les chevaux ont à peu près 400 mètres environ à parcourir. Flash Drive sous la menace maintenant de Captain McPie qui est passé en tête de la course légèrement, oui, à prendre son avantage maintenant. En deuxième position, nous avons Always Flirting. À l'extérieur, progressant, se trouve Nothing Compares. C'est Captain McPie qui a tourné en tête. Captain McPie devant Lucky Valentine. Alors qu'à l'intérieur, il y a aussi Always Flirting. À l'extérieur, il y a Nothing Compares. Mais qui va aller gagner cette course, Lucky Valentine.
Le numéro 1, Tendraji de l'écurie Gadjedar, monté par Noël Callot. Suivi de Reim, également de l'écurie Gadjedar, confié à Raij Rawan. Le 3, Donny Bresco de l'écurie Patrick Mervin avec Swapnil Rama. Seeking Angelo, le 4 de l'écurie Gilbert Rousset, monté par Derek David. Et puis le numéro 5, The Pyman, de l'écurie Patrick Mervin, Riaz Oulash. Brasco, Rim, à qui a été confié à Raij Rawan, départ dans quelques secondes. Et c'est parti pour le Quantum Insurance Cup, 1365 mètres. Rim, comme on s'y attendait avec le retrait de The Pyman, va se porter aux commandes avec Tendraji en deuxième position, rejoint à l'extérieur par Seeking Angelo. Donny Brasco, pour l'instant, ferme le cortège. Alors qu'on est en pleine descente maintenant, bientôt plus que 1000 mètres à parcourir au tombeau Malartic. Rim a toujours le meilleur devant Seeking Angelo qui se rapproche à l'extérieur. Tendraji toujours idéalement placé. Donny Brasco en attentiste. Au bas de la descente à 700 mètres à parcourir, Rim toujours le meilleur devant Seeking Angelo. Tendraji toujours attend son heure en troisième position. Donny Brasco toujours en dernière position alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement. Rim, Seeking Angelo, Tendraji, Donny Brasco se rapproche à 400 mètres du poteau. Rim s'en allait très très bien à l'avant avec Seeking Angelo, Tendraji, alors que Donny Brasco commence son effort. On va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Rim qui a toujours le meilleur. Voilà que Tendraji va tenter de s'amener à l'extérieur, Donny Brasco à l'extérieur, mais Rim a toujours le meilleur. Tendraji qui termine de plus en plus fort. Tendraji revient sur Rim. Tendraji, Rim qui repart. Rim qui ouvre son compteur. Eh bien, en prenant les deux premières places dans cette épreuve principale avec Rim et Tendraji, Rim qui ouvrait son compteur, on peut dire que eh bien, l'écurie Gadjedar est sacrée championne pour cette saison en 2015-Soon. Un gros relâchement de pression certainement en allant chercher vos deux chevaux qui ont été à la hauteur de vos espérances. Oui, ils ont fait l'écurie championne, pas encore. Écoute, il y a encore une journée, mais disons que pour être réaliste, on est dans une situation plus confortable maintenant. L'écurie Rousset peut toujours remporter la dernière course avec Carole Louvet. La semaine prochaine, ils vont être bien mieux lotis que nous. Mais ceci dit, c'est pas facile de rattraper 700 et quelques, tu sais, en une journée. Ben, écoute,
la course n'est pas terminée autant tant que le referee n'a pas sifflé l'arrêt du jeu. Mais disons que je suis un peu moins tense. Aujourd'hui, je te dis franchement, j'étais très tracassé. Gilbert et Soudet sont très, très combatifs. Ils avaient de sens avec Obligation, selon moi, Nothing Compare, sans oublier Parado, et Call of Courage. Et tu sais, anything could have happened. Hein? Mais comme les chevaux ne sont pas des machines, les chevaux commencent à se fatiguer, j'étais dit ça la semaine dernière. Disons que les classiques nous ont beaucoup aidés pour être là où nous sommes. Alors, Soun, Rim qui ouvre en face au compteur, c'est un cheval que vous estimez, qui vous, enfin, vous montre un peu son vrai visage. Car Tandraji, quand il tombe sur lui, il repart. Oui, c'est ce que Noël Kallo me dit, qu'il est très, très combatif, Rim, parce qu'il pensait qu'il avait la course gagnée aux 1400 mètres. Il me dit qu'il est venu à sa hauteur, après il est reparti. Je dois aussi dire un grand merci à Rai qui nous a aidés. Pour le championnat. Rai a toujours, d'une façon ou d'une autre, été associé à l'écurie Gazeda. Quand, tu sais, il avait remporté sa première course sur un cheval de Gazeda. Et que je suis très content pour lui qu'il a remporté la 300e victoire. Il ne faut pas aussi oublier la contribution de beaucoup d'autres comme Zano Baldetier qui a très bien fait pour nous. Si Kallo est là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a lâché. Je sais qu'il a fait une faute grave sur Roman Mana, mais simplement parce qu'il avait trop de merit points. Si son appel a été pris plus tôt et qu'il perdait son appel, on n'aurait pas eu de jockey. Donc c'est pourquoi Noël Kallo est là. Noël Kallo, comme tu sais, il fait toujours son mieux. Mais très content d'être dans la situation actuelle. Alors, Soun, vous disiez que vous allez la saison prochaine ralentir un petit peu. On a vu beaucoup de chevaux en vente sur les réseaux Facebook. Est-ce une réalité? Oui, Jean-Philippe, je regrette de t'annoncer que malheureusement, je vais commencer à scale down. Je suis fatigué moralement. Je suis fatigué physiquement et je suis fatigué aussi financièrement. En tous les cas, on est une écurie familiale. On a remporté, je crois, notre 39e victoire. J'espère pouvoir en remporter une course pour arriver au chiffre de 40. Mais disons qu'on a déjà commencé à mettre des chevaux en vente. Nous allons garder, bien sûr, une vingtaine de chevaux. Parce que je te dis franchement, je ne vois pas trop comment on va organiser 35 journées ou même, le président a parlé de 40 l'année prochaine parce que il n'y aura pas assez de chevaux. On ne va pas les investir massivement. Bon, ce qu'il faut retenir, Jean-Philippe, c'est qu'on a gagné 39 courses, mais 39 courses avec des chevaux qui m'appartiennent. Et bien sûr, il y a mon cousin Oudey, mes enfants, Gopal et Mukun qui contribuent. Mais je ne peux pas continuer, year in, year out, continuer à investir. Et ça devient de plus en plus difficile d'avoir un bon jockey avec ce qui se passe avec le nouveau règlement. Les bons jockeys ne vont plus venir. Je ne vais pas aller garder 40 chevaux pour ne pas avoir un jockey convenable. J'ai décidé de ne pas engager de jockey l'année prochaine. Je vais parler à si jamais le club a un club jockey. Où je vais voir avec Bardo. Hein. Bardo est parti en bon terme avec nous. Il va être freelance probablement pour ne pas être attaché à une écurie avec moins de chevaux qu'on avait cette année-ci. Mais je vais voir Bardo, je vais voir Rai, je vais voir les autres Mauriciens. Alors, Soun, en espérant que ce championnat remporté va vous faire réfléchir et peut-être, remettre un peu la mécanique, puisque vous êtes un compétiteur né, comme on dit. Oui, Jean-Philippe, je ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir. Tu crois, moi, écoute, c'est difficile pour l'écurie Roussette de remonter, mais c'est peu probable, mais ce n'est pas impossible. OK, donc allons garder le pied bien sur terre et j'espère te parler la semaine prochaine quand c'est fait.
À ce moment-là, j'étais dirai mon état d'âme. On attend donc le coup de sifflet de l'arbitre alors. Bravo Sonny, en tous les cas. Bravo pour cette belle victoire sur Rim qui ouvre son compteur. À mon avis, on verra tout autre cheval la saison prochaine car ce cheval ne fait que commencer à s'adapter aux conditions locales. Sur ce, on retrouvera Jive et on se... Ravatak, le 4 de l'écurie Rameshwar Gajadhar avec Sunil Bassant qui va se présenter en piste dans la 7e course, la Quantum Home Insurance Cup. 1600 mètres, benchmark 31. Le numéro 1 direct approach de l'écurie Gajadhar avec Noël Callot. Le 2 Viento Magico de l'écurie Rameshwar Gajadhar, Jeannot Bardottier. Le 3 Rebels Game de l'écurie Ricky Mangar, Aïdjoura One. Le 5 Wingman de l'écurie Shiri Schnerang, monté par Michel Tiha. Le 6 Domani, écurie Jean-Michel Henry avec Girish Boumani. Le 7 Castle de l'écurie Perdreau, Vinay Naiko. Et partant numéro 8, Mighty Lion de l'écurie Patrick Mervin, monté par Marc Neijus. Favori Kafel, le départ ne serait tardé ici. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette 7e épreuve avec un bon départ pour Rebels Game côté corde à l'extérieur. Il y a Ravatak, Domani complètement à l'extérieur qui tente de surmonter son couloir extérieur. Voilà Domani qui va tenter de partir mais reste à l'extérieur de Rebels Game qui assiste côté corde au passage du but pour la première fois. Ravatak s'est assis dans leur foulée. Ensuite on retrouve Mighty Lion, Wingman, Kafel. Pour l'instant Viento Magico est en épaisseur en dernière position, direct approach. On entame la descente avec Rebels Game qui ouvre la voie dans cette épreuve devant Domani qui évolue à l'extérieur de Ravatak. Mighty Lion va trouver les barres juste derrière, accompagné à l'extérieur par Viento Magico. Ensuite, Wingman, Kafel, direct approach toujours en dernière position alors qu'on est à 800 mètres du poteau. Direct Rebels Game donc creuse quelque peu l'écart à l'avant avec deux longueurs d'avance, forçant Jeannot Bardottier à réagir pour se porter en deuxième position. Domani, Ravatak juste derrière. Ensuite, Mighty Lion, Wingman, Kafel et toujours direct approach en dernière position. On accroche la roue du gouvernement avec Direct Rebels Game et Viento Magico du moins qui tente de l'accrocher maintenant. Domani qui fait l'effort pour recoller au peloton. Rebels Game va tourner en tête dans la ligne droite finale sous la menace de Viento Magico qui a fait beaucoup d'efforts mais Rebels Game qui tente de repartir maintenant lancé par Aïdjoura One avec Viento Magico qui tente d'arriver mais Rebels Game repart maintenant lancé par Aïdjoura One, direct approach qui tente de revenir pour prendre un accès ici mais Rebels Game s'impose. Deuxième Viento Magico, troisième direct approach, quatrième Kafel.
Eh bien oui, il était écrit quelque part qu'aujourd'hui, c'était la journée Rally du Ravon. 300e victoire, il l'a bien réalisé aujourd'hui. Puis sa 4e victoire après Rime pour la doubleur d'écurie Gagnard dans l'épreuve phare. Eh bien, il ajoute une autre très belle victoire avec Rebels Game qui le fait de bout en bout. Nullement inquiété, Benoît. C'était une question de presser le bouton au bon moment. Rad est un excellent jockey. Jamais 203. Et je dédie ces victoires à Ricky qui nous regarde. Il a mis nos chevaux dans une condition absolument extraordinaire. Ricky, bravo. Alors c'est vrai que le cheval, en rentrant dans le rond, ne vous laissait pas insensible. On sentait que vraiment qu'il était fin prêt pour ce rendez-vous. Il était dans une condition absolument idéale. Et on avait un peu peur de que... Comment il s'appelle ce cheval-là ? Le Cafel, qui avait été beaucoup joué. Mais une fois qu'on avait réglé la course, c'était le tour était joué. Alors, comment passer sous silence la journée de Rail du Ravon, hein? Toucher sa 300e, c'est déjà une grosse performance, mais 4 victoires aujourd'hui, c'est définitivement le grand bonhomme de ce meeting. Jean-Philippe, il le mérite amplement. C'est un excellent jockey, il a un bon jugement du pas, il est un strong finisher, je suis très content pour lui. Et je lui souhaite encore de meilleurs jours. Voilà. Eh bien, merci Benoît. En tous les cas, on a été ravis de vous accueillir en 3 occasions. Il est bon de le rappeler pour cette journée. Bravo, bravo. Toujours un plaisir, Benoît. Donc, félicitations à l'écurie Ricky Magar et à Rajiv Rawand, grand bonhomme de ce meeting, Rajiv. Le numéro 1, Dan Raven, de l'écurie Vincent Led, Daryl Holland, le 2, Drop Zone, l'écurie Patrick Mervan, Marc Neiges. Le 3, La Fauchée de l'écurie Chirish Narang, monté par Sunil Bassante. Le 4, A Please to Progress, écurie Raj Ramdin Rakesh Bogiroti. Le 5, Captain Matthew de l'écurie Gujdar, monté par Noël Callow. Captain Matthew. Suivi du numéro 6, Size Trigger, de l'écurie Rameshwar Gujdar, Geno Bardotier. Le 7, Kowloon Bay, de l'écurie Gilbert Rousset, Derek David. Le 8, Aromonches, écurie Jean-Michel Henri Guérich Goumani. Et le numéro 9, Storm Altono, écurie Perdro, Vina et Naiko. Qui partira du 5e couloir, le départ ne serait tardé dans cette dernière course. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette 8e et dernière course au programme. La J. Serge-Henri Cup, 1850 mètres à parcourir. Un bon départ de Please to Progress qui se porte en tête de la course. En deuxième position, on retrouve Captain Matthew. Astrigueuil, 3e écoté, corde accompagné à l'extérieur par Don Raven. Ensuite, dans leur sillage, il y a La Fauchée, le favori. Dans leur sillage, eh bien, galope. À l'extérieur, pour l'instant, à Romanches, Kowloon Bay en dernière position, Drop Zone, alors qu'on passe devant les tribunes pour la première fois, toujours sous la pulsion de Please to Progress, qui a le meilleur avec une longueur d'avance sur Captain Matthew. En 3e position, Ice Trigger, toujours en épaisseur, à Romanches, qui court à l'extérieur de Don Raven et de La Fauchée. Ensuite, on retrouve Kowloon Bay en dernière position, toujours Drop Zone. Dans quelques foulées, on va accrocher donc le Turbo Malartic à 1000 mètres du poteau. Toujours Please to Progress aux commandes. En deuxième position, on retrouve Captain Matthew, Ice Trigger, toujours idéalement placé. Don Raven suit les opérations en 4e position à l'extérieur du coursier de l'écurie Rameshwar Gadadhar. La Fauchée n'est pas mal non plus en 5e position. Kowloon Bay à Romanches, toujours un parcours difficile. En dernière position, toujours Drop Zone à 600 mètres du poteau. On se dirige vers la rue du gouvernement avec Please to Progress qui accélère maintenant. Avec en 2e position, Captain Matthew, Ice Trigger qui déboîte avec La Fauchée dans son sillage. Don Raven est lancé maintenant par Daryl Holland à l'arrière. On commence à bouger avec Kowloon Bay, avec Aromanches, La Fauchée pris de vitesse. Alors qu'on aborde la courbe avec Please to Progress qui est encore bien en main. Lancé maintenant par Rakesh Bagheroti. À l'extérieur, il y a Captain Matthew, Don Raven à la corde, Ice Trigger. Mais Please to Progress a toujours le meilleur. Et repart de plus belle avec Don Raven qui tente de revenir. Mais Please to Progress va aller s'imposer devant Don Raven. 3e Captain Matthew. 4e Ice Trigger.
Eh bien, Please to Progress qui s'impose dans cette dernière course. Il avait déjà très bien couru la dernière fois, le fait bien de bout en bout. Et quel vibrant hommage à Rakesh Bhagirathi, à son ancien patron, feu Kiki Henry, en menant à bon port. Eh bien, Please to Progress, c'est sûr que ça vous a fait énormément plaisir de remporter la course à son nom. Exactement. D'abord, je dois dire merci à M. Raj Ramjin pour m'offrir cette montre-là, parce que déjà, comme c'était un très très bon cheval, il pouvait choisir d'autres que moi. Donc, je remercie vraiment profondément. Et puis, donc, je suis heureux de gagner cette course-là, puisque c'était le couple de mon ancien entraîneur que je respecte beaucoup. Et aujourd'hui, où je suis, c'est grâce à lui. Alors, c'est vrai que le cheval... bonne décision d'aller devant, vous régler la course à sa guise et il vous le rend bien dans le final. Exactement. Donc l'entraîneur il avait décidé de courir ce cheval-là devant et je crois qu'il avait quelque chose à la tête comme tous les entraîneurs. Quoi. Il a dit fait à son homework et donc ça payait. Et il était devant, il était calme et tout. À un moment, je ne croyais pas qu'il allait tenir, mais après quand ils sont tous tombés sur moi... à beau, on va dire, 600 mètres. Et là, il a commencé à prouver encore. Et donc, j'étais sûr de gagner la course à partir de 300 mètres. Alors, un peu malchanceux en début de meeting. On peut dire que vous terminez bien la journée. Oui, exactement. Lucky Valentine, j'étais un peu unlucky sur lucky. Donc, je n'ai plus changé toutes les idées de la dernière. Mais bravo, Akesh. Un bon hommage à votre ancien patron. Donc merci et bravo. Donc restez avec nous, on va accueillir Raj qui fait des miracles avec ses vieux chevaux. La patience, hein, il n'y a pas d'autre mot, on le sait, Raj, dedicated, toujours petit soin et vos chevaux que vous le rendent bien en compétition. Ouais, je peux vous dire que les chevaux courent pour moi. Je dois remercier les propriétaires aussi, Bernard Incol, Denis Audi, tout ça, parce qu'ils m'ont bien aidé, hein, je dois le dire, pour faire venir ces chevaux-là chez moi. Et moi, j'ai mis le final touch. Et quand j'ai mis Bhagirathi sur le cheval, il n'a pas monté pour moi depuis belle lurette. J'ai eu une chance et il a bien monté. Il a pris la bonne décision d'aller devant. Je croyais qu'il y avait un autre cheval qui pouvait aller devant, mais il a pris la bonne décision. Il est parti devant. Je peux vous dire que ce cheval-là avait très, très, très bien travaillé pendant l'entraînement. Deux tours, j'ai fait beaucoup de deux tours comme tempo. J'ai fait le même training avec lui. Il était dans une forme splendide. Alors, quelques chevaux en vente depuis un bout de temps, l'écurie Galadar qui dégraisse un peu. C'est une aubaine pour vous? Est-ce que vous pensez grappiller quelques chevaux encore? Non, 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 non. Là, ce que je vais faire, je vais acheter des nouveaux. Maintenant, il faut que je cesse avec les chevaux, comme on dit, clépin copain. Parce que si je commence à faire ça, je resterai toujours au bas de l'échelle et je ne veux plus avoir le classement que j'ai actuellement au bas de l'échelle. Donc, vous visez haut pour 2016 en investissant avec des nouveaux chevaux. C'est vrai que si vous avez des chevaux de qualité, automatiquement, le résultat suivra. Bien sûr, parce qu'il faut que les propriétaires investissent. Alors, si les propriétaires ont confiance en moi, vous voyez les chevaux qui gagnent. Si j'ai des bons chevaux, je crois que je peux mater parmi les plus grands. Hein. Alors, on va en profiter pour faire un appel. On va inviter les propriétaires à investir chez vous. Allez-y, Raj. Non, on ne peut pas forcer les propriétaires. C'est à eux de voir. Donc, si vous voulez acheter un cheval et que vous cherchez un entraîneur, eh bien, pourquoi pas chez Raj Ramjin. Comment on fait pour vous contacter? On passe à travers le Mauritius Turf Club, 212-22-12. Et ils vous mettront en contact avec Raj Ramjin. En tous les cas, Raj, vous terminez fort la saison. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, c'est fait pour les interviews de cette 33e journée. Le mot de la fin, c'est avec vous, Rajiv. La première course, Captain's Chronicle de l'écurie Ricky Mangar montée par Hydrawan devant Data Controller. La troisième place à Constellation. Brazo terminé quatrième de cette épreuve. La deuxième, troisième victoire d'affilée pour Dantel Mama de l'écurie Jean-Michel Henry montée par Michel Tiha. La deuxième, Vandeskele, troisième Smith et quatrième It's My Party. La troisième épreuve, alors Amber Palace, qui cause la surprise de l'écurie Patrick Mervin montée par Swapnil Rama devant Hancock's Dynasty Evergreen, Call of Courage. Quatrième course, Elite Class de l'écurie Ricky Mangar, Hydrawan devant Parado, Torotino, quatrième Wonder Kid.
dans la cinquième. Alors Lucky Valentine victorieux rétrogradé sur Louis Floating le gris qui s'impose devant donc Lucky Valentine, Nothing Compares et Captain McPie. L'épreuve principale, alors Reim à la corde, monté par Aijurawan pour l'écurie Gujidar devant Tandraji, Donny Brasco et Seeking Angelo. La septième course, quatrième victoire cet après-midi pour Aijurawan, triplé pour l'écurie Ricky Mangal face à Rebels Game devant Viento Magico, Darek Approach, Caffle. Et la dernière course, Please to Progress de bout en bout de l'écurie Rajramdin, Rakesh Bogirotti devant Don Raven, troisième Captain Matthew, quatrième Ice Trigger.